Salut à toutes et à tous, c'est TouchMeTom pour Noldo et aujourd'hui je vous parlerai de Twixter Jitter Launch qui va vous permettre d'ouvrir une application même lorsque vous éditez donc les applications, c'est-à-dire lorsqu'elles tremblent, lorsque vous voulez en supprimer certaines. Donc c'est un Twixter gratuit sur la repo ModMy et dès que vous l'aurez installé, eh bien il n'y aura pas de nouvelle icône sur l'écran d'accueil, on peut le voir, mais dans les réglages, eh bien il n'y en aura pas non plus. Voilà, donc je vais essayer de supprimer une icône au hasard que. Par exemple, je m'en sers jamais. Par exemple, voilà, je la supprime. Donc, vous voyez bien que ça supprime cette application. Et imaginons, et ben voilà, et bien hop là. Ouf. Mais vous voyez, j'ai pu ouvrir Winterbourne même si j'étais en mode édition. On va recommencer. Et je vais ouvrir par exemple une application de l'Apple Store, Facebook. Voilà. Vous voyez, j'ai tapé dessus et ça s'ouvre. On va recommencer avec une autre application pour montrer par exemple Shazam. Et vous voyez, ça ouvre l'application même quand c'est en mode tremblant. Donc voilà, c'était TouchMeEdge donc pour parler de tout ce qui est la Jitter Launch qui vous permet d'activer les applications même lorsque vous êtes en mode édition. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Alors surtout abonnez-vous à la nouvelle chaîne TouchMeEdge officielle. Abonnez-vous à FPNedge qui lui fait test d'application. Laissez un commentaire sympa. Aimez les vidéos, aimez la page Facebook. Et visitez cet internet. Salut.